travaille dans un grand désordre. Non celui de l'atelier qui a été un désordre furieux, abandonné, quasi irrémédiable. Après des années, une sorte d'ordre est venu, mais d'un irrationnel pernicieux qui doit avoir un sens. J'ai devant moi un mur de fil. Que vois-je? Leur rectitude, leur tension. Les plus maigres sont aussi les plus rigoureux, les plus intenses, les plus noirs, les plus animés, quasi baroques. J'ai toujours aimé le geste d'écrire. Yeah. Mon écriture était particulière. Truffe. Et cela, sans doute, a été une de mes premières manifestations d'indépendance. Pomme de terre. Car on s'inquiétait autour de moi de cette singularité. J'ai retrouvé bien plus tard dans mon travail le plaisir de ce geste. Rouquette. Qui va en s'organisant. Saint-Honoré. Aussi la main, le bras, la plume. Crème de cacao. L'encre. Écrire avec une plume, ou plutôt un stylo. Chartreuse. Est quelque chose qui me donne un plaisir en soi. Hors de ce que je dis par ce moyen. Bijus. C'est ainsi que lorsqu'il s'agit de trouver, de réfléchir, de me priver d'un excès d'aisance vis-à-vis du matériau, gâteau au chocolat, le papier, j'aime me servir d'une très vieille machine, dont le maniement très lent, l'application qu'il faut mettre avec cet engin, favorise des tentatives de réflexion. La promenade est une des circonstances que je préfère. C'est une aventure et un jeu, c'est être libre. Les routes, les sentiers, les villages, les rues, tout amène à choisir, à comparer, à prendre plaisir, à se souvenir. La promenade n'a aucune limite que la fatigue ou l'heure. La promenade est une des circonstances que je préfère. C'est une aventure et un jeu, c'est être libre. La route, le sentier, les villages, les rues, tout arrive, tout amène à choisir, à comparer, à prendre plaisir, à se souvenir. La promenade n'a aucune limite que la fatigue ou l'heure. La promenade est une des circonstances que je préfère. C'est une aventure et un jeu, c'est être libre. Les routes, le sentier, les villages, les rues, tout amène à choisir, à comparer, à prendre plaisir, à se souvenir. La promenade n'a aucune limite que la fatigue ou l'heure. La promenade est une des circonstances que je préfère. Une aventure ou un jeu, c'est être libre. Les routes, les sentiers, les villages, la rue, tout amène à choisir, à comparer, à prendre plaisir, à se souvenir. La promenade n'a aucune limite que la fatigue ou l'heure. La promenade est une des circonstances que je préfère. C'est une aventure ou un jeu, ça arrive. Opaque, sans ornement écrit, j'ai toujours aimé le noir, en soi et dans les œuvres que j'admire. Le noir a été pour moi parfois un manteau, parfois une trace, parfois une ligne. Les états du noir, sensualité, jansénisme, réserve, opacité, éclat, celui qui les parcourt ne les a pas choisis, mais vécu avec surprise. Il y trouve le lieu, la circonstance où quelque chose pourrait survenir. Comme je n'ai pas une taille suffisante pour les piscines à jet de dinars, j'ai passé tout mon temps dans des baignoires. Quelques belles filles venaient parfois appuyer sur un bouton pour agiter un peu l'eau. Certains jours, on répétait le traitement, faute de mieux.
Comment l'occuper ? Disaient les jolies blanchisseuses. À la fin de la cure, j'avais grossi de 200 grammes. Ensuite, j'ai voyagé de Dinard à Rennes, dont j'ai apprécié les gâteaux et le whisky.